Mais voilà, c'est cool. Il a donné vie à une forme de vie et tout. Je l'appelle une voix. Wesh les gars, vous allez bien ou quoi? Eh les gars, la voix là, ça va être terrible. Hein. Ah, va falloir s'habituer les gars, parce que bon bah là on est un peu à Tokyo quoi en fait. Parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle un micro hypercardiode. C'est-à-dire qu'en fait ce micro là est au fond de ma bouche. Le micro il est dans ma bouche et donc vous entendez pas le fouille. Donc j'espère que vous allez bien les frérots. Et là on est à Tokyo, je vais répondre, on va discuter ensemble. On fait comme on peut, néanmoins je pense que j'ai bien fait les trucs. Il faut aussi savoir quelque chose, c'est qu'il est actuellement... Il est quelle heure? Il est 2h, 2h11 du matin. Donc chez vous les gars, là je peux vous dire que vous êtes bien, vous avez le chibre à l'air, vous êtes yimbe. Chez vous il est 18h11, savoir qu'au Japon en général tout est très petit. Ça fait qu'on a des voisins au-dessus et en dessous. Et on va éviter de trop crier, d'ailleurs je m'en rends pas compte, je crie ou pas là? Un peu ouais, et ben je t'emmerde. J'ai payé mon Airbnb comme tout le monde, il est malade ou quoi lui? Alors on va retrouver le crew, on va retrouver Bloody, il y a Alfouy qui va aller sur TS et tout. On a fait une petite installation, d'ailleurs vous savez quoi, je vais vous la montrer sur Twitter. Là, sachez que je ne suis pas assis conventionnellement par rapport au traité. Vous l'entendez pas, mais Alfie, il est... En fait, on est assis par terre. Voilà, littéralement. Là-bas, t'es assis par terre. Tu poses pas de questions, frérot. Donc là, je suis actuellement assis par terre. T'es avec ton lait fraise? Non, par contre, y a un frérot qui est parti me prendre un petit coca. Allez, vas-y, casse-toi, va sur le TS. Ça fait une voix un peu étouffée. En fait, si vous voulez, j'utilise le micro-casque, utilise Gotaga. Gotaga pour ses émissions Master Kill et plein d'autres millions de personnes. Zerator, je crois, il a ce casque-là. C'est le Sennheiser MHD, mes couilles au bord de l'eau sur ton front. Ça fait Cristiano MHD en prison, voilà. MNH ou je sais pas quoi. Et en vrai, ça va. Tant que c'est le micro qui est dans la bouche, ça peut être autre chose, les gars. Ce qui se passe au Japon, reste au Japon, les potes. Il se passe quoi au Japon pour que tout le monde s'y rend? En gros, au Japon, c'est le temps des sakuras, donc c'est le temps des cerisiers, des fleurs de cerisier qui poussent et qui tombent. Donc tout se passe en une seule semaine et après c'est finish vanish. Donc c'est peut-être pour ça que tout le monde s'y rend. Je sais que Gigi il y va pour des vacances. À la base, je devais y aller avec lui, mais finalement il y va avec Baitel et Gob GG. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je suis avec Alfouy, forcément. J'ai emmené Alfouy et un frérot. Il y a Sophie qui me rejoindra plus tard et tout. Donc là, on est vraiment dans les deux semaines charnières où on va vous proposer des petits lives. Bon, je vous ai manqué un petit peu, les gars, ou pas là, ça, soyons honnêtes là, tous ensemble. Là. Hop, on va switcher Boom, comme ça ils pourront parler. On a Loulou, on va les switcher déjà eux. Spyman, je sais pas ce qu'il fait. Vous êtes très nombreux à me poser des questions, ça fait extrêmement plaisir. Sachez que je suis sur Instagram, MRBboy45. YT, voilà, donc retrouvez-moi sur Instagram, je vous ai ramené des petites figurines très sympas, dont une petite Bulma, attention les gars, Bulma, ah Vegeta il va se vénérer, hein, parce que la Bulma mon pote, olé olé, et je vous ai ramené aussi une petite Nami, attention Nami, j'en ai fait tomber une pour vous, c'est Vegeta de Dragon Ball Super, le film, Vegeta avec les cheveux roses, en Super Saiyajin God, Super Saiyajin God, Super Saiyajin, Super God, Saiyajin God, Super. À peu près, hein, j'ai peut-être oublié un Super Saiyajin God quelque part. Les gars, j'ai des mutes. Sound resume. Wesh, ça va ou quoi? Ah oui, wesh. Salut. Oh là. J'ai une voix dégueulasse ou en vrai ça va? Non, ça rappelle tes vieilles vidéos. Ouais, voilà. Ça rappelle tes vieilles... Mais c'est une vieille vidéo là en fait. C'est une rediffusion. Bonjour à tous, bienvenue sur Bande de Joueurs Enfer. Mais sinon, Bloody, ton jeu, ça se trouve facilement, gros, c'est pas un problème. Oui, ça se trouve facilement, mais c'est parce que, en fait, en gros, faut faire gaffe à ce que ce soit pas la version. Je te fais chier, hein. Faut pas que ça soit japonaise. C'est plusieurs fois qu'il m'en parle d'ailleurs. Ça fait plusieurs fois que tu me fais chier, d'accord. On dirait, putain, il nous casse vraiment les couilles. Même en vacances. Des fois, on se réveille, on est là, on fait putain, même à l'autre bout du monde, tu te rends compte qu'il casse. Il nous fait chier. Ouais, il nous fait chier, le mec. Et merci aussi, Grand Noir, pour tes 500 bits. Tu as des limites pour les figurines? Pour la douane, il n'y a aucune limite. Parce que je me bats en fait. La limite, c'est le ciel. Voilà, la limite, c'est. Je me bats, mon pote. Je me mets torse nu et on se courave avec la douane. Il y a quoi? Quelqu'un veut me tester à l'aéroport? À l'aéroport Charles de Gaulle, quelqu'un veut me tester peut-être? Il y a quelqu'un qui bosse à l'aéroport ici? Il y a une limite. Il y a ce qu'on appelle une limite fictive sur les achats. Je crois que tu n'as pas le droit de ramener plus de 3000 euros de produits du pays. Je crois un truc comme ça. Sauf que des figurines, c'est dans des UFO. T'as pas de ticket, t'as pas de facture, t'as pas de ticket d'achat ni rien. Ça fait que, voilà, tu peux en ramener autant que tu veux. Bon, vous avez fait quoi, bout de la semaine, là, Bloody et tout, en France, là, quoi de beau, les gars? Je suis en branlée, là. Ouais. Allez, les gars. Le seul qui est fort, c'est Foufouillon. Mais je chuchote, frère.
Bah, micro, t'as un micro dans ton nuque, frère. Y'a rien de spécial. Ah, c'est okay. Bon, c'est bon, je t'ai laissé, Alfou, je t'ai laissé. Ça, Alfou, ferme ta gueule. rigole pas, loulou, rigole pas. Donc, je vous disais quoi de beau, les gars, alors? Vous avez fait quoi? On va faire un petit débrief quand même, des news et tout, là, parce que nous, on n'a pas joué ni rien, les gars. Bah, j'ai pas joué non plus. On a rien fait, nous, les gars. Moi, j'ai fait du CS, c'est tout. Donc, ouais, pas ouf, alors, le Battle Pass d'Apex? Non, pas ouf. Même le jeu, en fait, il est cassé dessus encore. Mais pourquoi il est cassé? Le jeu, ouais. Mais mec, t'as un serveur, une partie sur deux, les 40 secondes du... Ah ouais, t'es ralenti, ouais, ça lag à fond, ouais. Ça fout lag, gros. Ah, y'a des gens qui disent que le pass, il est super lent. Ouais, il est long, il est très long à passer aussi. Alfou, il est où, Adil? Adil, il est derrière moi, là, gros. Ah, mais il peut venir dans le salon s'il veut, le gros. Hein. Ouais, il a dit que tu pouvais aller dans le salon si tu voulais, gros. Mais gros, son PC, il fait un bruit, gros, c'est une turbine, sa mère. Hein. Le PC de qui? Bah là j'ai chaud, hein, je mets mon t-shirt. Bah Adil. Ouais mais gros, qu'est-ce qu'il fait? Eh les gars, oh, eh, n'y coupe pas le Airbnb, mon petit bâtard. Les gars, ils se foutent à poil, gros, ils chient sur le mur. Et là, l'appart alors, il est bien? Ouais, bah ouais, mais ouais, le problème c'est 70 millions de mètres carrés. 2 millimètres carrés. Il ouais, est bien, ouais. Il est bien, il y a assez de pièces, il y a ce qu'il faut. Les toilettes, il y a que notre chibre qui rentre, on est obligé de pisser de l'extérieur. Ouais, en gros, en vrai, il s'est rien passé, les gars. Même dans le stream game et tout, il s'est passé des trucs, toi là ou pas? Même pas de drama, que dalle. Ouais, rien du tout. Je réfléchis, mais. Allez, Bloody, t'es Ghost of Girl, gros. Ouais, franchement, là, y'a pas eu de. Non, tu vois. Non, les gars, le Japon, faut savoir que. Mais moi, j'y suis déjà allé, donc je vous l'avais dit. Je vous avais dit que j'avais hâte et tout. Et Alfou, lui, c'est la première fois. Alfou, toi, si tu devrais résumer ta première semaine ici, alors. Mais moi, je l'ai dit, c'est ce que je disais en live tout à l'heure. Moi, ce qui me fait vraiment le plus plaisir, c'est l'ambiance. T'as changé de micro, Alfou, là, non? Ouais, toi aussi, non? Non, c'est vraiment la sécurité, le respect, le bien-être des autres, c'est vraiment les Japs qui sont vraiment au-dessus. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour tout, et alors, dans le métro, ça suit les lignes, ça laisse sortir les gens. C'est comme, ça devrait être comme ça partout, tu vois. Niveau bouffe, jeu d'arcade et tout. Tu parles en France, tu parles en France. Non, niveau bouffe, c'est comme ça. Non. Va au Canada, tu pays, verras. Gros, ma mère va au Canada, tu verras, c'est comme ça. J'étais à Amsterdam, c'était ultra propre, c'est pareil, les gens dans les escalators et tout, ça reste à droite, ça bouge pas. D'accord, France. Mais là, c'est à gauche, donc c'est pareil. Mais la bouffe, c'est gros, 1000 yens, tu bouffes un demi-pot de ça. Déjà que Loulou, il reste 35 minutes aux chiottes à découler sa merde. Il va au Japon, les gars. Je vais aller prendre 20 ans de prison, les gars. J'ai dit, mais oui, attends un peu, gros, profite un peu. Je suis à bien, gros. L'anaconda dans les chocs, hein. Hey, gros, hey, il a lâché un goaoul, ce bâtard. Mais voilà, c'est gros, il a donné vie à une forme de vie et tout. Je l'ai appelé Loulou, hein. Mon caca, je l'ai appelé Loulou. Ah, bâtard. Loulou, il est devenu autonome. Maintenant, t'as fait le truc avec les chiottes qui te lavent le cul là, qui font le petit gel. Ouais, j'ai kiffé, moi. Ah, ça y est, tu l'as fait, Alfoui? Ouais, j'ai fait tout à l'heure, gros. Gros, c'est ça. Il a fait une petite poire de lavement dans les fesses, là, il était content. C'est toi qui as bouché le gel, enculé. Le gars, il chie pendant qu'il y a le geste, bâtard. J'essaie de repousser le gel et tout avec ta crotte. Il fait un kamehameha contre la crotte sa mère. Il y a un freezer qui arrive et qui... Et gros, je te jure, non mais là, non, ouais, hier j'avoue que. Heureusement, il n'y a pas vraiment de police au Japon parce que c'était chaud sinon. Hein. Ils nous embarquaient direct. On est... Mais c'est sûr, gros, hein. Attentat et tout, t'as toi, hein, gros. Non, là, non, c'est abusé. En fait, ce qui est ouf au Japon, alors. Mais bon. C'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois en live, c'est que pour l'immobilier, c'est le pays le plus cher au monde. Enfin, surtout Tokyo, c'est la ville la plus chère au monde. Ah bah, il t'encule, hein. Par contre. Pour la bouffe, c'est incroyable. Ici, alors, c'est quoi le truc que tu préfères pour l'instant, Foufouille, que t'as bouffé? Ah ouais, vas-y, ouais, Alfouille. Franchement, là, ce serait le ramen qu'on a mangé là. Ah, les meilleurs ramen de tout le monde. Mais gros, le ramen, gros, j'avais des gouttes de sueur, sa mère, j'en pouvais plus. Ouais, 800 yens, bon. Ça fait à peu près 6 euros. C'est. Les gars, vous imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Le bouillon et tout, j'en pouvais plus, t'es là. Puis il faut faire du bruit en mangeant pour prouver le respect, toi, t'es là. Loulou, il se serait gavé, ce bâtard. Oh putain. Bon, et toi, mon loulou, t'as fait quoi là de beau? Bon, rien. C'est chier, tu sais. Bah, non, mais. Il est au chiottes depuis une semaine. Il se retenait. Il sort dessus. Donc, loulou, alors rien de nouveau? Rien de nouveau? Non, rien. Tu geeks quoi, donc, tu geeks tout. Loulou, il a déjà terminé le pass 3 fois, hein, les gars. Non, ça, mais y a des non, trucs, c'est tellement long que. Il y a des trucs à savoir. Hein. Est-ce qu'il y a eu la mâche sur Dead by Daylight? Oui, alors les gars, nous on a installé Dead by Daylight, on va en faire tout à l'heure si vous êtes chaud. Ah, je t'ai pas.
Je m'en relancé depuis que vous êtes parti. Vous m'avez entendu là? Vas-y, dégueule hein. Ouais. Il y a une petite, remontée d'acide là. Eh gros, il y a eu un Roland McDan. Il est sorti, il a fait une blague. C'est le mec qui vomit, et le mec qui vomit après. Les gars, vous m'avez entendu. T'es con. Désolé, mais c'est le mec qui dégueule à un ton de 4 sous. Hein. Les gars, vous m'avez entendu. Mais désolé si on rigole pour rien, parce qu'il est 3h du mat, surtout à le fouiller. Savoir qu'il y a des horaires où il est naturellement quoi bourré, quoi. Non, mais c'est pas moi, hein. C'est Adil, en fait. De quoi tu parles? Est-ce que vous êtes chaud PlayStation Direct, là, vous le suivez avec nous ou pas tout à l'heure? Yeah, gros, c'est dans longtemps, hein. Bah non, c'est à 20h. Apparemment, c'est à 22h. C'est à 22h, hein. Ouh là là. C'est à 22h heure française, hein. Attends. Putain, ils avaient dit 20h tout à l'heure. Ah, au petit-déj, hein. Ça fait pas qu'à faire. Ouais, bah gros. T'as le coucher. C'est dans 4h, sa mère. Et ça dure combien de temps? Je sais pas, y'a pas marqué. 5 minutes. Un quart d'heure. Ah ouais, parce que c'est... Mais après, c'est... Non mais, no fake, ça dure pas longtemps, ce truc-là. Hein. 12 secondes. Oh, et merci Style 3 pour ton 11e mois. Ah, c'est dans 4 heures. Et merci à moi CRPS pour ton 11e mois. Pourquoi tu rigoles, gros? Il est rafalé, ce bâtard. Les gars, j'ai Firestorm, vous l'avez essayé ou pas? Non, moi j'ai pas le jeu. Ouais, oh, Bouddhi, regardez Miskin, il a pas le jeu. Non, non. Moi je suis banni, moi. Hein? Je suis banni de BF. Mais comment t'as fait pour être banni de BF? Je sais pas, gros. Bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est que, tu sais, BF, je l'avais pas acheté quand on avait joué. J'avais pris le pack, le truc EA, enfin, Origin ouais, Access, là. Ouais, donc ouais. Là, je l'ai acheté, Origin Access, j'installe BF, tout content, je lance le jeu. Quand je suis dans le jeu, il y a marqué, vous ne pouvez pas vous connecter au service en ligne, vous ne pouvez jouer, enfin, j'ai que le truc solo. Donc du coup, j'ai demandé à EA sur Twitter et tout, ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse un topic sur leur forum de chiasse, là. Et j'ai regardé un peu, il y a plein de mecs à qui c'est arrivé et à ce qu'ils puissent bannir. Bon, t'inquiète, ouais. Voilà. Mais banni de quoi? Bah banni du jeu. Donc personne n'y a joué, personne la teste, putain. Non, j'ai vu des gens y jouer, c'est tout. Les gars, écoutez-moi bien, parce que je suis à deux doigts de bouillir. Envoyez-moi des petites cartes de création Fortnite. Eh Loulou, il doit bien avoir ça, il passe sa vie sur ce jeu aussi. Il y a un site si tu veux. Ah, il y a le site de Nox ouais, aussi. Et ben vas-y, bah trouvez une ou deux petites cartes sympas les gars, et on se les fait en mode créatif, des runs, des conneries comme ça. Ça roule les gars.